Au lycée, j'ai appris à réfléchir, j'ai appris à avoir apporté un avis critique à tous mes travaux, j'ai appris parfaitement la langue française, la langue anglaise aussi. C'est pour cela que si un jour je suis maman, sans doute, je choisirai l'éducation française pour mes enfants. J'ai fait toute ma scolarité au lycée français de Valencia et lui aussi, non? Donc moi aussi, donc on a passé 15 ans ici au lycée français de Valence. À part l'éducation bilingue, un peu la façon de réfléchir qu'on nous donne et le système d'options, après, ça te permet un peu de te guider dans tes études. Et surtout aussi la possibilité d'apprendre plusieurs langues, à part le français, l'allemand ou l'anglais, un haut niveau. L'utilité d'avoir fait mes études au lycée français, c'est d'abord de m'avoir permis de faire une prépa en France. Donc ça nous permet d'avoir, disons, de grandes débouchés, ou bien l'Espagne, ou bien la France. Un bon souvenir au lycée français, c'est la maternelle, je pense. Je garde de bons souvenirs de la maternelle, même si quand on est petit, on s'en rend pas trop compte, mais... Je me souviens que c'était des bons moments que j'ai passés au lycée français et les autres années aussi, mais c'est surtout mes premières années qui m'ont marqué, surtout. La méthode savoir réfléchir et comprendre ce qu'on lit, ça a été très utile pour ça et aussi la méthode en mathématiques, il ne fallait pas apprendre que des formules et les appliquer, mais il fallait savoir résoudre, arriver d'une hypothèse à une conclusion. Et c'est ça ce qu'on fait aussi à l'université, c'est ce qu'on a appris dans le système français. Ce qui a à voir avec exposer à l'oral et rédiger tout ça, les examens de 4 heures, les dissertations, ça apprend beaucoup. Lorsqu'on arrive à l'université, les gens leur disent d'écrire pendant 2 heures et ils se tirent des cheveux, ils croient que c'est trop de temps. Mais en fait, ça apprend aussi à travailler dur et à travailler jour à jour, ce qui est important aussi. Mes parents ont vu intéressant avoir une formation où j'apprenais le français dès très petit. Et après, j'ai décidé de rester parce que je voyais vraiment, je trouvais que c'était un enseignement plutôt fort. Je suis décidé pour la prépa en France parce que je trouvais que c'était une formation avec des bases plus solides, des bases scientifiques plus solides que la formation en Espagne. En Espagne, ils font en études d'ingénieur qu'une année de physique et de maths, et après c'est tout spécialisé. Tandis qu'en France, c'est des études un peu plus longues, des études de base scientifique bien approfondies, et en plus, et finalement, les grandes écoles françaises sont mieux que les écoles espagnoles, sont plus généralistes. Ça m'a appris à travailler de manière efficace et intelligente. Ça m'a aussi beaucoup appris à raisonner, à réfléchir et à avoir un esprit critique. Et ça m'a aussi permis, je pense, de développer une capacité de concentration assez importante. Je pense que ce sont les principaux points. J'aime beaucoup les mathématiques et donc je pense que la classe préparatoire, c'est une filière de haut niveau en mathématiques. C'est pour ça que j'ai voulu faire une classe préparatoire. Ensuite, je suis entré à l'école normale supérieure parce que je voudrais en fait faire de la recherche en mathématiques. Et c'est l'un des meilleurs endroits pour faire de la recherche en mathématiques. Du système français, j'étais tenant compte la méthode de travail, d'apprendre à raisonner tout depuis le début, de savoir pourquoi sont les choses, de comprendre tout beaucoup mieux.
et des compétences linguistiques aussi. On sort de l'école avec quatre langues, l'anglais, l'italien, l'espagnol qui est langue maternelle, et le français. Et ainsi, ayant des bases de latin qui sont aussi très importantes. Et les conseils pour les jeunes de mon âge qui veulent entrer dans un lycée français, et ce sont que c'est, il faut travailler dur, mais après ça est récompensé, car on apprend beaucoup de choses qui nous sont utiles après dans l'université. Je suis franco-espagnole et c'était un choix évident de la part de mes parents. Donc voilà, ma mère est enseignante au lycée Molière. Donc c'est pour ça que j'ai fait mes études dans ce centre-là. Je pense que les études françaises sont vraiment enrichissantes, surtout dans la méthode de travail. On arrive à s'organiser et on obtient un résultat parce que justement on structure la pensée. C'est très important de dire que oui, justement, on apprend à penser. Que dans d'autres systèmes où il y a plutôt une formation très théorique, on n'arrive pas donc à trouver ces résultats, à émettre des hypothèses. Donc cela vraiment est un point positif. Le système français nous fait grandir, justement développer une personnalité spéciale. On arrive à s'intéresser par de nombreux sujets, on devient des personnes polyvalentes. Donc moi je pense qu'il n'y a que des points positifs dans le système français. On acquiert une culture générale très vaste et donc ce sont des armes que l'on va utiliser dans la vie de tous les jours. On a toujours privilégié dans le système français justement une organisation claire, une façon de s'exprimer et de démontrer en schématisant, en montrant qu'on avait bien donc intégré certaines connaissances. Et c'est là en fait le vrai apprentissage. C'est pas le fait d'emmagasiner des connaissances interminables, sinon le fait de les appliquer. Je voudrais ajouter que le système français offre une étude pragmatique, donc on arrive à réinvestir nos connaissances. Donc cela est très important. En même temps aussi, on développe les techniques de laboratoire qui parfois restent inconnues pour les Espagnols. Donc ça, c'est positif si on veut faire donc des études scientifiques, soit physique, médecine, biologie. Donc cela aussi est bon à savoir. Mon père était un ancien élève de ce lycée, du lycée français de Madrid, et il n'y avait pas de question, c'était au lycée directement. Un lycée français t'apporte des compétences linguistiques indéniables. J'ai appris le français, j'ai un niveau assez bon en anglais, et j'arrive à me faire comprendre en allemand. Le plus, je l'ai dit, la méthode. Méthode humaniste, mais aussi l'importance que l'on donne aux activités qui sont extrascolaires. L'art, la culture, la connaissance globale de la société et qui est absente dans d'autres systèmes. Et on se rend compte lorsqu'on arrive à l'université et on retrouve d'autres élèves, d'autres gens qui n'ont pas la même perception que toi et par contre tu l'as partagé avec le reste de tes camarades du lycée. Ce sont mes parents qui ont choisi le système français, mais ensuite j'ai eu l'opportunité de partir en seconde pour finir avec le système espagnol et j'ai décidé de rester au système français parce que je crois que la formation est beaucoup plus complète. De ma formation dans le système français, j'ai tiré des compétences à niveau personnel et à niveau professionnel. À niveau professionnel, j'étudie des lettres et c'est des lettres pures et c'est une façon de raisonner, de rédiger, de faire face à n'importe quel problème, à n'importe quel commentaire de texte. Surtout par sciences politiques, il y a beaucoup plus de débats, de dissertations. On est beaucoup plus habitué à raisonner et aussi à l'heure de structurer les textes, les rédactions et tout ça. C'est beaucoup plus clair et beaucoup plus concis. Je pars l'année prochaine à Nanterre pour poursuivre mes études là-bas. Au moins pour une année, après on verra. Mes parents, ils sont espagnols et ils voulaient que j'apprenne le français et que j'étudie dans le système français, etc. Donc en fait que je devienne bilingue et que j'ai une double culture. Quand on a fréquenté un lycée français à l'étranger,
C'est particulier, je pense qu'il y a vraiment un état d'esprit particulier à ces étudiants parce que déjà il y a une double culture et c'est une vie quotidienne très particulière parce qu'à l'extérieur du lycée on a une vie en espagnol et à l'intérieur c'est une vie en français, donc on parle en français avec les professeurs, on est en contact avec la culture française tout le temps, même les professeurs on ne fait pas que des enseignements, ils nous montrent la culture française, la musique, l'histoire, etc. Et du coup, je pense qu'on a un esprit d'ouverture envers d'autres cultures, d'autres nationalités. On est avec des étudiants étrangers, des étudiants français aussi. Et je pense que c'est plutôt ça l'état d'esprit, c'est de curiosité pour une autre culture, d'ouverture. Je peux dire que j'ai le sentiment d'appartenir à un réseau, d'avoir dans mon propre lycée, donc avec les étudiants avec lesquels j'étais, même les étudiants d'autres années, parce que c'est pas un très grand lycée, du coup tout le monde se connaît. Et sinon aussi avec les gens que j'ai rencontrés, qui avaient fréquenté aussi des lycées français à l'étranger, des espagnols surtout, on a vécu la même expérience, et du coup c'est un peu se retrouver avec des gens qui ont un peu la même base que toi, les mêmes fondements. Et j'ai rencontré aussi des étudiants de lycée étrangers dans d'autres pays. Et oui, c'est une rencontre. Du coup, je pense qu'il y a un réseau, même si je me sens pas hyper intégrée parce que je n'ai pas un contact avec tout le monde comme ça. Mais bon. C'est mon proviseur de mon lycée qui m'a parlé de cette bourse Excellence Major et pour les étudiants qui voulaient aller étudier en France. Donc j'avais de bons résultats, donc j'ai postulé parce que c'était parfait pour mon profil. Et c'était très utile aussi pour venir en France parce que Sciences Po, c'est pas donné, il y a des frais de scolarité vraiment importants. Et donc voilà, j'ai postulé grâce à mon proviseur et puis ma famille, mes professeurs aussi qui m'ont aidée. Et voilà, c'était le projet.